La petite finale du tournoi des métiers se poursuit avec le 4 à la suite maintenant avec Camille, serveur aujourd'hui, passionné d'histoire. Hervé, dentiste, il aime notamment le sport, pas seulement la culture, le pratiquer aussi. Olivier, commerçant torréfacteur, la géographie, voilà l'un de ses points forts. Messieurs, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les quatre que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à zéro. Les thèmes, les voici. Les succès de Renaud. Renaud, le chanteur, bien sûr. Autour de l'esprit d'invention. Un questionnaire qui est un clin d'œil à la Foire de Paris, qui s'est ouverte aujourd'hui et à son célèbre concours L'Épine, cher à tous les inventeurs. Le thème mystère. Thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs, maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC. Et puis dernier thème, vous le voyez, drapeau et pavillon dans l'histoire. Olivier, à vous de choisir en premier. Je ne vous vois pas trop inspiré. Pas trop, là, je... Prenez une seconde ou deux. Ouais. Et pour ne pas regretter. Là, j'hésite vraiment. Je prends le thème mystère, tant pis. Thème mystère. Venez, Olivier. Et vous, l'amateur de bonnes choses, de bonnes chairs, de gâteaux, vous avez peut-être bien fait. Crêpes et beignets du monde. On va essayer. Et... C'est peut-être pas mal. Olivier, parlons encore un peu de votre métier dans le café. Je crois que vous avez une anecdote assez amusante. Vous avez fait découvrir à des visiteurs un café de chez eux. Oui, et ils étaient les premiers surpris. Voilà, bah, qui venaient très loin. C'était des clients australiens. Australiens. En fait. Et donc, comme j'ai du café d'Australie en boutique, les gens, dès que je leur dis bah, « vous avez du café chez vous », ils me regardent avec des yeux écarquillés comme ça. Ils ne le connaissaient pas. Non. Et c'est un café qui se qualifiait comment? Bah, c'est un café assez doux à boire et biscuité. Enfin, ce sont des très petits grains, en fait. C'est... Biscuité, c'est-à-dire? Bah, avec des nuances qui rappellent un petit peu le biscuit sec. D'accord. Un petit peu le gâteau qui sort du four. C'est un peu l'impression qu'on a dès qu'on a la première gorgée en bouche. Oui, ça fait envie, ça. Ah oui. Vous en avez pas amené avec vous de J'ai ce café, café australien? Pas d'Australie. Ah, non, pas d'Australie. La prochaine fois? Ouais, bah, ok. Eh bien, je trouve que vous avez plutôt la main heureuse avec ce thème mystère. Crêpes et beignets du monde. Olivier, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top, quelle recette de crêpes relevée de jus de mandarine, désignée par un... Suzette. Dans les Antilles françaises, quel beignet épicé à base de purée de poisson, sert-on chaud en des accras. Quelle crêpe tunisienne de pâte très fine et diversement garnie, puis frite à l'huile dans une poêle. À la brique. Quels petits beignets proches des oreillettes sont découpés en bandes pour former des tresses appelées nœuds ou bugnettes. Merveille. 4 à la suite, Olivier. Alors, ouais, ça va. C'est un bon choix, ça. Oui. C'est un bon choix. Sur quoi revenir? Bah, sur rien, parce que vous avez tout trouvé. Si, parce que vous y alliez très vite, peut-être sur la première recette de crêpes relevée de jus de mandarine désignée par un prénom féminin, ouais. Les crêpes Suzette. Bien, les acras, vous les avez trouvés, hein, on les sert chaud en hors d'œuvre, bien sûr. La crêpe tunisienne, la brique, le brique, le brique. Et puis les petits beignets, vous ne l'avez pas trouvé tout de suite? Non, j'ai hésité avec la bugne, mais quand j'ai dit bugnette, bon, voilà. À mon avis... Vous avez bien fait d'attendre la fin de cette question. Nœud ou bugnette, les merveilles, 4 à la suite. On peut applaudir Olivier pour ce très beau score. Olivier, le torréfacteur. Bon, Hervé, à nous maintenant. À nous. À nous de faire aussi bien. Ah oui. Hein, c'est l'objectif. Bon, les succès de Renaud. Autour de l'esprit d'invention, à l'occasion du concours L'Épine, et puis drapeau et pavillon dans l'histoire. Hervé, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Les succès de Renaud. Allez, on va jouer autour des succès de Renaud. Tatatan. Qu'est-ce que ça vous fait? Tatatan. Ah, vous aimez bien Renaud, alors? C'était le moins pire. En même temps, vous êtes obligé de bien aimer, là. Hein. Oui, là, j'adore. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans la petite finale, là? Vous vous y attendiez en commençant cette aventure là, cette semaine? On est vraiment venu pour prendre du plaisir, s'amuser, puis c'est vraiment très sympa d'être là, très heureux d'être dans cette finale. Que pense votre petite famille, que pense-t-elle de cette aventure? Je vois votre épouse, vos deux filles. Ils sont très fiers de moi, la star de la famille. Le héros. Le héros. Le héros. Et elles ont bien raison. Hervé, les succès de Renaud, êtes-vous prêt? Top. En 1977, quelle chanson de Renaud, au titre comportant un mot en verlan, commence par « J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé... » Les bétons. Dans quelle parodie de chanson de marin prend-il des libertés avec la conjugaison en disant « Je repartira et nous nous en allerons » C'est pas l'homme qui prend la mer,
À quel personnage d'une de ses chansons Renaud lance-t-il une gonzesse de perdu, ses 10 copains qui reviennent? Manu. 2016, dans quel titre marquant son retour à la chanson lance-t-il et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première bière? Quelle confiserie a donné son nom à une chanson dans laquelle Renaud évoque avec nostalgie son enfance gagnant. Dans le titre d'une chanson sortie en 2002, quel personnage est le double de Docteur Renaud? Mister Renard. 1900, sur le fil. Deux points. Deux points, Hervé. Je reviens juste sur ces deux questions qui vous ont manqué. Parodie de chanson de marin, ça vous est revenu peut-être, où il prend des libertés avec la conjugaison. Je repartira, nous en allerons. Vous m'avez dit... C'est pas l'homme qui... C'est le début de la chanson. Mais dès que le vent soufflera. Dès que le vent soufflera. Et puis, bah, cette chanson toute récente, le grand retour de Renaud, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais de là à se rappeler le titre. 2016, et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première bière, toujours debout, pour ce chanteur, toujours debout. Deux points pour Hervé. Camille, c'est à nous. Autour de l'esprit d'invention, drapeau et pavillon dans l'histoire, vous le passionné d'histoire. Drapeau et pavillon dans l'histoire. Drapeau et pavillon, venez Camille. Camille, serveur aujourd'hui, passionné d'histoire, licence d'histoire, vous nous avez dit que vous aimeriez justement revenir à l'histoire demain. Justement, dans l'histoire, quelle période vous fascine peut-être plus que les autres, une que vous avez aimé étudier? Fin du Moyen-Âge, la Renaissance, disons le 15e, 16e. 15e siècle? 15e, 16e siècle. Et la fin du Moyen-Âge, la Renaissance, pour une raison en particulier, quelque chose dans la société de l'époque? Oui, le bouleversement général. Le bouleversement général. On passe d'un monde complètement. De ces époques. Ouais. On passe de l'époque ancienne à l'époque moderne, finalement. Le basculement entre les anciens et les modernes. Camille, il faut faire 2 points au minimum pour rester dans la course. Drapeau et pavillon dans l'histoire, êtes-vous prêts? Top, depuis 1854, à quel pays d'Asie orientale associe-t-on le drapeau blanc orné d'un disque rouge appelé Inomaru? Le Japon. Au 8e siècle, quel empereur d'Occident part à la conquête du Rhin et de l'Espagne muni d'une oriflamme éclarlate semée de 6 roses d'or? Charlemagne. 1961, quel pays asiatique a adopté le seul drapeau national n'ayant pas la forme d'un quadrilatère? Le Népal. 1871, quel prince prétendant au trône de France sous le nom de Henri V affirma sa fidélité au drapeau blanc et refusa les 3 couleurs? Le comte de Chambord. 4 à la suite. Camille. J'ai bien attendu. Excellent choix. J'ai l'impression que vous n'en revenez pas. Ouais, j'espérais faire 2. Bon, très bon choix. En même temps, dans votre... vous espériez faire 2. Oui, bah, vous avez bien fait 2. Oui, au minimum 2 fois 2. Je reviens sur ce drapeau. Vous l'avez trouvé. Ce pays asiatique qui a adopté le seul drapeau national n'ayant pas la forme d'un quadrilatère, est-ce que vous le voyez, ce drapeau très particulier? Oui, il est en... comme ça. Là. C'est 2 triangles, oui. Exactement. C'est le seul drapeau, le seul pays qui a choisi ce drapeau très particulier. Applaudissons Camille. 4 points à la suite. Merci Camille. Hervé, une chose est sûre, pour votre famille, vous serez toujours le héros. Merci. Le héros. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Un grand merci Hervé. À très bientôt. Après le 4 à la suite, à vous de jouer maintenant. Dernière chance de remporter les 500 euros que nous mettons en jeu ce soir. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et puis n'oubliez pas notre grand concours pour décrocher la cagnotte qui se poursuit. Bonne chance à tous. La question, quelle ville du Sud est célèbre pour sa croisette, pour ses festivals de cinéma également? Réponse 1, Cannes. Réponse 2, Aix-en-Provence. Le téléphone, le 3243. Pour donner la réponse par SMS, c'est 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, dans un tout petit instant sur France 3, le face-à-face de la petite finale de notre tournoi des métiers entre Olivier et Camille. On compte sur vous. À tout de suite.